Par le nouvel homme de ta vie. Pourtant c'était sérieux, tu le connais, au moins depuis vendredi. La dernière fois, c'était un homme marié qui devait divorcer. T'avais pas le droit de l'appeler. Il voulait faire les choses bien, pour pas que sa femme souffre. Il lui a fait un autre gosse pour sauver son couple et ses pantoufles. T'étais dans le rôle de la passade du cap de la quarantaine. Mais comme dit ton psy, c'est 300 francs. Et à la semaine prochaine, avec tes rêves de midinette et ton cœur d'artichaut, t'aimes une porcelaine dans un magasin d'éléphants. Y'a pas forcément de traces charmantes derrière tous les crapauds. Le printemps dernier, ton horoscope était formel. T'allais rencontrer l'âme sœur, il y avait Mercure dans ton ciel. T'as aimé un Capricorne, ton signe complémentaire. Il était bisexuel, les astres sont parfois tête en l'air. Souviens-toi du connard, la brute au grand cœur. Une enfance difficile, sûrement battue par son père. Tu trouvais plein d'excuses à ce beau célibataire. Quand il te collait une danse, c'était un transfert. Avec tes rêves de midinette et ton cœur d'artichaut, t'es une porcelaine dans un magasin d'éléphants. Y'a pas forcément de prince charmant derrière tous les crapauds, tous les blaireaux. Qui écrivait rien, que tu trouvais génial. Celui qui vendait tes bijoux pour s'acheter sa poudre. Et il y avait moi aussi, mais c'est pas pareil. Enfin comme prévu, t'es tombé raide de ton psy. C'était l'image du père, un complexe oedipien enfoui. Il a gâché votre première nuit en deux, en fuyant la chambre. Vêtu de porte, jartel. Ça t'a fait un choc, tu disais les hommes ils sont tous pourris. Mais comme dit ton psy, ah non, 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 non. Mais prends le fouet, il est sous le lit. Parce que j'ai pas envie, on s'en fout, on dira pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera les pizzas à toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. T'as qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. J'suis pas d'humeur, tout me déprime. Et il se trouve que par hasard, y'a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d'œuvre du 7e art que je voudrais revoir. Un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez.
C'est une satire sociale dont le personnage central est joué par de Funès. En plus, il y a des extraterrestres. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera les prises à toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. La carrière à tes amis, on les aime pas et puis tant pis, on s'en fout. On n'y va pas. On a qu'à se cacher. Je crois que je suis souffrant. Ce serait pas raisonnable de sortir maintenant. Je préfère pas prendre de risques. C'est peut-être contagieux. Il vaut mieux que je reste. Ça m'ennuie, mais c'est mieux. Tu me traites d'égoïste. Comment oses-tu dire ça? Moi qui suis malheureux et triste. Et j'ai même pas de haut au cinéma. On s'en fout, on n'y va pas. On n'a qu'à se cacher sur le bras.